Donc, ça ne marchait pas très bien chez toi et je pense que je sais pourquoi. En fait, j'ai oublié de vous le dire, et pourtant chez moi, ce n'était pas comme ça non plus. Je pense que il faut, au moment de l'exportation, que le bouton soit en situation normale. Voilà. C'est ce que j'ai fait chez toi et ça a fonctionné finalement. Donc je sélectionne le bouton avec la flèche noire, vraiment le bouton, hein, pas un objet à l'intérieur du bouton, hein, vraiment le bouton. Et dans la palette de boutons, faire passer en mode normal et puis faire l'exportation et ça a marché à ce moment-là. Donc voilà. Le problème vient peut-être de là, mais bon, est-ce qu'on a vraiment tout à fait la même version de InDesign? Il faudrait qu'on teste ça. Bah, juste par curiosité, aller un peu sur le menu InDesign du Mac là et demander à propos de InDesign. Et qu'est-ce qu'il est indiqué à cet endroit-ci? Est-ce qu'il est indiqué 13.1? 13.0. C'est le genre de choses qui peut faire une différence, hein, dans le fonctionnement du logiciel. Donc on a une version qui n'est pas tout à fait la même. On s'en sort, hein.